Tu te sens seul, les rues ont l'air un peu désertes. Tu approches de chez toi, de ton appartement qui se trouve encore un peu plus au nord. De là où tu repenses à ta fille, à ta femme. Tu sens de plus en plus la soif, une soif grandir en toi. Quelque chose arriver. Et tu sens un goût un peu amer, quelque chose. Tu as vraiment la bouche sec. Et tu entends quelques bruits dans la ruelle, comme s'il y avait deux personnes qui parlaient. Et quelque chose apparaît au coin de la ruelle. C'est toi-même. Tu es là au coin de la ruelle. Du moins, tu apparais dans une flaque d'eau au coin de la ruelle. Tu apparais couvert de sang. Et quand tu regardes cette chose, tu te sens mieux. Cette chose te fait un sourire. Regarde ce que tu es. Accepte ce que tu es. Accepte ce que tu es. Je me contente de fermer fermement les yeux en secouant la tête. Je soupire et je pars pour traverser la rue et pour pouvoir aller là-bas. Quand tu rouvres les yeux, elle n'y est plus. Cette chose n'y est plus. Très Je bien. Tu te commence à partir pour diriges la rue. du coup proche de la ruelle. Et tu peux d'ailleurs. Apercevoir deux personnes qui sont dans la ruelle. Ils sont en train de parler. Deux SDF. Proches d'un petit feu. Un des SDF, tous. Oh, il m'a encore refilé de la merde de toute façon. L'autre fait. Oh, t'inquiète, t'inquiète. Je trouverai mieux la semaine prochaine, je t'assure. Avec tout ce qu'on a gagné aujourd'hui. Et l'autre lui répond, en même temps, t'as eu de la chance de tomber sur ce portefeuille. Je vais aller pisser. Tu vois que l'homme est en train de monter et part. Et celui-là est au feu, tranquillement. Pendant que l'autre est Et. parti, je vais profiter de l'occasion pour commencer à entrer dans la ruelle et m'approcher. Et là, plus tu t'avances vers lui, plus tu sens une sorte d'odeur, comme une odeur qui t'attire, qui te donne faim, et tu entends une sorte de. Comme un battement de cœur, c'est quelque chose qui te pousse à aller vers lui, comme si tu n'étais pas tout seul, comme si tu étais contrôlé en même temps. Mais tu te sens bizarre, tu te sens assez bizarre. L'homme se retourne vers toi et te fait. Vous m'avez fait peur, monsieur. Est-ce que vous auriez un petit peu d'argent, s'il vous plaît? Oh, navré. Bien sûr, monsieur, bien sûr. Attendez, je vais vous donner cela avec plaisir. Je commence à. Est-ce que j'ai encore mon portefeuille sur moi déjà? Alors, tu peux voir que tu n'as même plus ton portefeuille. Tu as, ils t'ont, t'as été dépouillé au moment où t'as les mecs du sabbat qui t'ont pris. Ah, navré. J'ai absolument rien sur moi. Mais on va faire un échange de bons procédés. Vous allez m'offrir un service, et très vite je vous retrouverai et je vous en offrirai un. Cela vous va? Alors l'homme fait, ah, si c'est encore un vol que je dois faire, non, 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 je ne veux plus de ces Je conneries. m'approche doucement et je pose ma main sur son épaule en secouant la tête et je fais non, ne vous en faites pas. C'est parfaitement légal. Tout se passera bien. De toute façon, je vois bien que vous êtes un honnête homme. Je commence à le tapoter comme si je débraillais un chouïa. Ouais. Tout va bien se passer, de toute façon. Et lorsque je vous retrouverai, vous me devrez juste. Bah rien en fait, parce que vous allez beaucoup m'aider ce soir. Alors, l'homme a l'air un petit peu content, un peu excité en même temps, et fait ah, oui, en quoi je vais, puis-je vous aider? Et là, t'entends au loin dans la ruelle, hey, John, t'es là? Qu'est-ce que tu fous? Tu parles tout seul ou quoi? Et il est pas encore arrivé. Là, je commence à approcher l'homme. Je me sens seul ces derniers temps, j'ai besoin d'un câlin. Au moment où Et tu fais là, le je câlin, commence. tu ne te sens même pas. C'est même pas ta volonté qui prend le dessus sur toi. Alors je te fais pas de test parce que t'as pas non plus une faim à sauter sur les gens. Hein. Mais
tu es poussé pour la première fois à faire quelque chose qui te semble normal. C'est-à-dire, c'est comme si quand tu t'approches de la... Genre, tu as l'habitude de faire la bise à quelqu'un, tu fais la bise. Là, c'est comme si tu t'as fait cette habitude, alors que c'est la première fois que tu fais ça, tu lui donnes le baiser, tu... enfin pas le baiser, mais tu le mords au niveau de la jugulaire. Comme si tu t'es attiré, tu n'as même pas eu le temps de faire cette action que l'action a été faite en fait. Et c'est là que tu te rends compte que quelque chose en toi pousse. Et pendant que tu le mords, tu vois derrière cet homme, toi, Tobias, qui devient de plus en plus, le sang disparaît sur lui et qui devient de plus en plus normal. Tu vois que, on dirait que la créature qui est en toi, que tu vois parfois apparaître, t'apparaître en tout cas, a l'air de s'assagir. Il a l'air de te sourire et te dit « Voilà ce que tu es ». Et en même temps, pendant que tu le mords, l'homme a du mal à résister. C'est comme si en même temps, il aimait ça et il fait « Il crie un petit peu avant d'arrêter de parler. Et là, tu fermes les yeux pendant que tu le mords. Tu vois un portefeuille. Tu vois l'homme, tu vois tes mains prendre le portefeuille par terre. Tu vois un flic faire « Hey, oh, là-bas !» Et une femme faire « Oh, voleur !» Et tu te vois courir, et tu vois que tu n'es pas dans ton corps, tu es dans l'homme. C'est-à-dire, tu as des souvenirs, des flashbacks de ce qu'a fait cet homme, peut-être dans cette journée et tout. Tu vois une gamine. Tu vois cet homme qui caresse les cheveux d'une gamine et dit « Je ferai tout ce que tu peux pour toi, ma fille. » Et tu vois cet homme bien habillé, certainement avant qu'il arrive dans cette ruelle et qu'il finisse comme ça. Cette fille te rappelle ta fille. Tu es en train, et là tu te rends compte que tu es en train d'aspirer le sang de quelqu'un qui pourrait être probablement à ta place, qui avait peut-être une famille et qui s'est retrouvé là. Tu sens son pouls diminuer. Je tente de relâcher dès que je sens son pouls ralentir. Le moment où tu le relâches, tu as une sorte d'aspiration et l'homme trébuche dans les poubelles et il se sent bizarre. Mais il n'est pas tombé dans le coma, pas dans quoi que ce soit, il se sent étrange, pas très bien, en train de fermer un peu les yeux. Et son pote arrive. Il fait « Hey, Johnny, c'est toi ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Faites rien !» Dès qu'il commence à arriver, je me contente de regarder par terre. Ouais. Et je fais « Je vous dois une faveur. » Et je me contente d'ignorer l'autre et de me partir. D'accord. Et tu entends « Johnny, putain, non, reste avec moi !» Tu entends encore ces gens parler au loin dans la ruelle. Et tu te sens de mieux en mieux. Alors, tu peux te rajouter... tu peux te rajouter... 2 points de sang. D'accord. Très bien. Ok. Tu te diriges du côté de chez toi et t'aperçois ton appartement. Parfait. Je vais partir vers chez moi et je vais en profiter pour me rebrailler, nettoyer un temps soit peu soir. Donc tu rentres vraiment dans ton appart? Oui. Très bien. Alors on est d'accord, vous alliez vers vos appartements avant de partir? C'est ça. Ok, oui. Très bien. Alors, vous arrivez devant un immeuble plutôt lambda, mais les appartements ont l'air plutôt jolis. Et vous êtes apparemment sur les territoires du prince, donc il vous donne apparemment l'autorisation de chasse autour, c'est ce qu'il vous a dit. Alors vous avez les clés, et vous êtes au troisième étage. Arrivé au niveau du troisième étage, il y a vos appartements. Donc chacun peut prendre un appartement. Bon bah. Hop, je prends celui-là. Oui. Alors, ce sont les appartements au coin que vous pouvez prendre. Ah, ok. Ceux éclairés. C'est là, ok. On va girl pas. Allez. Très bien. Le coin des filles et le coin des garçons. T'as vu? Très bien. Alors, vous avez vos appartements. Ça vous semble bizarre comme situation parce que vous vous retrouvez en même temps avec des inconnus, mais vous avez un peu confiance en vous au début parce que vous êtes dans la même merde. Du coup, c'est un peu la même galère. La même galère. Alors, du coup, Kaito, quand tu rentres dans ton appartement, tu aperçois l'appartement bien rangé, tout, comme pour tout le monde d'ailleurs. Sauf que Kaito, toi, tu as ton katana qui t'attend au coin du mur. Et vous avez
des papiers aussi à côté d'un ordinateur et il y a une télé à ce niveau-là. Il y a un ordinateur portable et ce qui est plutôt en plus de bonne facture dans les années 90. D'accord. C'est pareil pour tout le monde. Vous avez tous tout. Lily, tu peux voir même ta garde-robe, tes affaires, etc. Tout a été amené ici. Est-ce que j'ai mon téléphone ou quelque Tu chose comme as ça? un téléphone aussi, oui. Tu Ok. peux. Pareil pour moi ou... Tout le monde a un téléphone. Portable, fixe? Fixe. Sur au niveau des murs. Hop, moi je vais allumer la télé et mettre le son à fond. Très bien. Alors le moment où tu allumes la télé, tu vois une vieille pub pour de la bière avec une fille plutôt dénudée, un bon cliché américain, avant de passer sur des informations et vous voyez qu'il y aurait eu apparemment une attaque de gang au niveau des docks. Alors là vous voyez un journaliste. Oui, nous avons appris qu'il y avait une attaque d'un gang au niveau des docks. Nous pensons à une attaque de Yakuza. Et ce ne serait pas la première fois qu'ils auraient fait exploser littéralement un entrepôt. Ils auraient mis le feu à l'entrepôt. Oui, tout à fait. On ne retrouve plus grand-chose là-bas. Et les pompiers sont arrivés à temps avant que l'entrepôt ne soit totalement détruit. Mais bon, vous voyez que ça parle de tout ça. Enfin, tu vois, Kaito. Ça marche. Lily, tu veux faire quelque chose? Je suis en train de réfléchir comment est-ce que je... Parce que moi, le but, c'est que je puisse contacter du coup soit Emma, soit Caroline. Tu peux les téléphoner. J'ai une amie qui a récupéré Blade, mais faut savoir les deux. Du coup, je pense que je vais passer un coup de fil. Il est quelle heure là? Début de soirée, donc ça va être l'heure du repas, par exemple. Tu vois, c'est. Ok, bah ouais, j'aimerais passer un coup de fil. Je Très vais bien. appeler Emma, qui est la vétérinaire en priorité, qui... Très bien. Tu appelles Emma là. Ouais. Tout. Alors tu vois que ça décroche. Oui, allô? Oui, Emma? Lily, c'est toi Lily? Oui, c'est moi. J'ai pas beaucoup de temps là, mais je t'appelle, c'était pour savoir, est-ce que Blade est avec toi? On est mort d'inquiétude. La police a fouillé chez toi et tu as disparu depuis une fusillade à l'hôpital. On se Non, demandait tout ce qui va t'était bien. arrivé, si t'avais pas été kidnappé. Non, tout va bien, je suis pas kidnappée, je suis pas blessée, ça va. Mais dis-moi juste si Blade, il est avec toi. Oui, bien sûr, j'allais pas le laisser tout seul, j'ai récupéré Ok, Blade. super. Bon, ça me rassure, il pouvait pas être venu avec toi. Mais je comprends pas, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu peux me raconter? T'inquiète pas, je trouverai le temps de te... Je passerai te voir et je t'expliquerai. Mais J'ai prends vraiment du bien mal à soin de lui. comprendre. T'inquiète pas, ça va. Crois-moi, fais-moi confiance. Passe quand tu veux. Ok, bah je passerai te voir, t'inquiète pas. Très bien, tu es la bienvenue. Je travaille de nuit à la clinique en plus, vétérinaire. Donc n'hésite pas à passer. Ok, ça marche. Bah je passerai vous voir. Bled, il est avec toi là ou il est chez toi? Oui, il est à la clinique. Ok, super. Bah je passerai vous voir. À tout à l'heure. À tout à l'heure, bisous. Fais attention à toi. Tu vois qu'elle est Ouais, toi aussi. surprise que tu l'appelles comme ça. Très bien. Kaito, est-ce que tu veux faire un truc avant Sarah? Je vais appeler Matsumoto. Très bien. Du coup, tu appelles Matsumoto. Matsumoto décroche. Oui, enfin, quelqu'un décroche à sa place plutôt. Oui, allô? Ouais, c'est Kaito. Est-ce que mon oncle est là? Kaito, mais il est tard et tu n'es pas revenu de la mission avec tes collègues. Qu'est-ce qui s'est passé? Passe-moi mon oncle, je peux en parler qu'à lui. Très bien. Là, tu t'attends un petit peu et t'entends un bruit de téléphone et. Oui, allô? Tu entends la voix un peu plus rauque et calme de ton oncle. Oui, allô? Oui, mon oncle, c'est Kaito? moi. C'est toi, mais tu vas bien? Vous inquiétez pas pour moi. Où en es-tu pour la Mais. mission? As-tu retrouvé ces enfoirés? On les a retrouvés, mais ils ont eu Higuchi. Oh non. J'espère que tu n'as Malheureusement, pas échoué dans ta mission. Tu connais les prix, Kaito. je n'échouerai pas. Je vais les poursuivre jusqu'au bout. Mais je ne pourrai pas revenir pour l'instant. C'est trop dangereux pour nous. Je pense que même notre téléphone est sur écoute. Oh. Je ne dirai pas plus d'informations. Désolé, mon oncle. Essaie de. Et je raccroche. Et tu vois qu'il tu lui coupes au nez du coup. Ok, tu raccroches. Tu.
Ok, très bien. Sarah, veux-tu faire un truc? Alors déjà, Sarah a allumé la télé. Ouais. Et ensuite, par contre, elle va prendre une bonne douche pour se remettre un peu de de tout ça, hein, parce que bon, Tu c'est pas m'étonnes. que ça pèse, mais un peu. Tu m'étonnes. Surtout que Sarah est quelqu'un qui prend beaucoup de soin de son apparence en même temps. Actrice, Exactement. etc. Très bien. Donc tu prends une douche. Et dans la douche, tu te sens encore un peu pas seul, mais un peu comme si tu étais un peu observé. Tu te sens un peu. Tu sens qu'il y a quelque chose de nouveau en toi, mais qui semble calme, endormi actuellement. Je suis assez contente de ça, du coup, le tilt avec la bête ou pas? Ouais. Continue, ouais. Bon, pour l'instant, ça a l'air d'être calme, donc je vais pas paniquer, ça sert à rien, je le sais. Et du coup, si j'ai fini, je vais quand même appeler Angel, si tu peux. Très bien, tu peux, ouais. Alors, tu vois Angel décroche. Donc, c'est bien la barman de Angel Bar. Alors, elle te fait. T'entends plein de bruit derrière et tout. Elle fait: Allô, Sarah, c'est toi? Parce qu'elle a Allô, entendu. Angel. Elle t'a entendu. Mais il n'y a que toi pour m'appeler à cette heure-là, de toute façon. Bah, c'est Alors, bien. c'en est où? Ça va mieux? T'es toujours chez ton prod? On a eu des petits soucis, mais ça va, oui, t'en fais pas. Et toi, tout se passe bien là? Ah super, il y a beaucoup de monde au bar, tu devrais passer, refaire un petit spectacle, ce serait chouette. Ça se passe bien alors avec le prod? Raconte-moi, il faut absolument que tu me racontes ça. Au pire, passe au bar. T'en fais pas, je t'en parlerai plus tard, c'est juste pour avoir des nouvelles et pour m'assurer que tout va bien. Oui, moi tout va bien. Pourquoi tu m'appelles pour ça? On dirait que tu t'en fais. Il faut. Je t'en parlerai plus tard, t'en fais pas. Pour l'instant, profite bien et éclate-toi, d'accord? Elle dit: Ah, très bien. Ah, ok. Ah, attends, je vais aussi te laisser. J'ai encore ces enculés qui reviennent. Tu sais, le petit con qui me demande toujours de l'argent. Ouais, t'inquiète pas. Du coup, elle raccroche. Elle Du fait: coup, N'hésite pas à passer, hein. t'inquiète, ce sera fait. Bisous. Fais bisous, ma belle. Tu vois, elle est toujours un peu Ouais, excitée. c'était vraiment toujours au speed, ça Ouais, et change tout. pas. Ouais, elle change pas. Elle est toujours en train de parler tout le temps. Au moins, d'un côté, ça veut dire qu'elle est pas au courant pour. Non, elle n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Enfin, elle sait que tu as été chez lui, tu as raconté, Chez lui, etc. Mais... mais pour le reste. Du coup, vous voyez tous qu'il y a une feuille de placée à côté avec les adresses réelles, avec par exemple le mail pour envoyer des mails au shérif. Et le prince qui a laissé un mot, enfin c'est pas lui, mais il y a un mot de la part du prince comme quoi vous pouvez passer par le shérif pour le contacter lorsque vous avez des informations sur la localisation du sabbat. Et ensuite, t'as aussi le mail de James ainsi que son numéro de téléphone. Et du coup, James vous dit ne pas hésiter à m'appeler, je suis là, je suis près de vous, je veille sur vous. Bah, du coup, si je peux, je vais juste, t'as vu, noter sur un bout de papier le numéro et le mettre Très bien. à la page pour être sûr de pas. Ça marche. Vous avez quelque chose d'autre à faire ici ou pas? Ah. Là, je me rends compte que je suis triste parce que j'ai pas ma canne d'épée aussi. Alors, par contre, Kaito et même Lily, vous commencez à avoir une sorte de... Le soif qui vous parlait arriver un petit peu. Vous sentez un petit peu... Bouche un peu pâteuse et tout. Vous avez une sorte de soif. Justement, je comptais appeler Tommy et regarder pour manger après. Très bien. Perso, sur le coup, je suis. Y a un frigo, non? Il y a un frigo. Je veux voir ce qu'il y a aussi dedans. Alors, en regardant dans le frigo, vous trouvez directement qu'il y a des poches de sang qui ont été. Il y en a exactement 4. Vous pouvez noter 4 poches de sang que vous pouvez consommer quand vous voulez, évidemment. Cela vous redonne un point de sang. Quand on le consomme. Quand vous consommez, évidemment. Okay. Et on peut les emmener avec nous ou pas? Bah, il faut un petit sac ou tu peux pas te balader comme ça avec des poches de sang, quoi. Il faut un petit sac ou quoi que ce Oui, soit. non. Je suis une fille, un sac, ça se porte facilement. Très bien. Alors c'est quand même des poches, hein. C'est quand même des poches, hein, le sang. Oui, bah t'inquiète. Des gros sacs à main, ça passe aussi. Un Très bien. chiffon tout. Alors malheureusement, alors il n'y a pas d'histoire de poids, mais évidemment, on peut pas se balader avec 50 katanas sur soi, etc. Bonjour.
Bah, en tout cas, je vide les 4 poches. Très bien. Tu te les enfiles, du coup? Okay. J'ai soif. Très bien. Alors, tu vois que Kaito s'enfile tranquillement les 4 poches. Alors, tu sens l'envie particulière de les absorber, mais ça ne te procure pas tant de plaisir que ça. Enfin, t'aimes, ça te fait du bien, mais t'as pas autant de plaisir que si tu avais chassé Rem, évidemment. Mais oui, très bien, donc tu peux augmenter 4 points de 4 points de sang. Alors, vous ne pouvez pas dépasser 10, hein, je crois. Okay. Alors, un point de sang, vous pouvez n'en utiliser que un par tour, il faut savoir. Ça marche. Et moi, pour ma part, du coup, je me change et du coup, dans ma tenue, je prends un sac et je mets une poche. Parce que pour un moment, je pense que je suis pas encore à la limite, je peux attendre un peu avant de la consommer. Très bien. Ok. Donc, t'as une poche. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je devais appeler Tommy. Très bien. Donc, t'appelles Tommy. Tommy décroche. Oui, allô? Ah, c'est Kaito. Oh, Kaito, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Tu vois, il te dit ça alors que pourtant tu venais de le voir, tu vois. Donc tu vois que il a écouté les ordres bizarrement de l'autre et enfin, tu te doutes qu'il y a eu quelque chose de bizarre, quoi. Quelque chose d'étrange. Tu vas bien? Ouais, faut qu'on se voit au sujet de ta cassette, là. La cassette, m'en parle pas de ces conneries. Ils ont pas été capables de le retrouver, on n'a pas pu assumer le contrat. Il y a eu deux de mes gars qui se sont fait flinguer. Dans l'hôpital, t'as pas entendu ce bordel? Non, j'ai entendu rien de tout ça, j'étais occupé. Je te raconte pas. Je suis tout seul. Plus d'infos. Ah non, maintenant je suis tout seul à assumer ça. Et mes deux gars se sont fait flinguer. Je sais pas c'est qui cet enculé qui a fait ça, mais. Ah, y a aucune idée, la cassette totalement disparue. Ouais, ça marche. Ouais. Bon, on se recontacte. Pas de problème. Hey, salut. Hey, si jamais t'as des petites affaires, oublie pas, hein, je suis toujours en dispo. Ok, ça marche. Pour les Yakuza, pour toujours. Ouais, pour toujours. Kick. Très bien, alors tu vois que qu'il n'a pas l'air d'avoir d'infos concernant la cassette. Ça marche. Moi, je me change aussi et je sors, du coup. Très bien. Alors, en sortant, vous entendez... Ouais, mais ça va arrêter, cette merde, c'est... J'en ai marre, de toute façon. Vous entendez un bordel à ce côté-là, puis la fille qui sort... un peu en pleurs. Puis l'homme qui dit « T'as qu'à aller voir ailleurs, pétasse !» Puis alors, il ferme la porte au nez. Puis tu vois que la fille s'assoit un petit peu dans un coin, pleure un peu. Tu vois qu'elle se met à pleurer un petit peu agenouillée. Oh, elle est là. Ouais, j'y vais aussi. Très bien. Lily. Ouais. Tu y vas. Ouais. Alors, la fille vous regarde. Elle fait « Qu'est-ce que vous voulez ?» Laissez-moi. Personnellement, je vais l'approcher amicalement. Ouais. Qu'est-ce qui ne va pas? Vraiment. J'ai pas envie d'en parler. Alors, quelqu'un peut utiliser de la... du peut-être, je dirais, du charisme et de l'expression, ou de l'empathie plutôt, de l'empathie et du charisme, pour essayer de lui parler, de se sentir bien. De la faire parler. Ok, bah je vais le faire. Alors, c'est difficulté 7. Difficulté 7. Ok. T'as combien, ça va en total? J'en ai 7. Ok, ça marche. Nice. Hop, c'est parti. Ouais. Ouais, en plus t'as un 10. Du coup, une réussite. Plus une... Le 1 t'enlève le 10, donc une réussite, ouais, bien vu. Ouais. C'est bon. Ok. Ça passe. Alors, tu vois qu'elle a un peu de mal. Tu vois, elle s'ouvre pas directement. Elle a un peu de mal quand même. Oui, tu vois, normal. C'est... Allez là. Mais je continue à lui. C'est juste que. Ce connard m'a trompé et il me lâche comme ça en lâchant une vidéo de moi dans les pires moments sur internet. Il veut revendre la vidéo. C'est un vrai connard. Celui qui vous a sorti là? Oui. Tu vois qu'elle pleure un peu. Ça va aller, vous en faites pas. Je risque de perdre tout si quelqu'un tombe sur ces vidéos. Petite question, elle est comme nous? Bah, techniquement, si elle est dans cet appart. Tu ne sais pas. On doit le sentir, non?
Est-ce que quelqu'un a Auspex? N'oubliez pas que vous avez vos disciplines. Très bien. Très bien, très bien. Alors, tu peux utiliser Auspex. Je reviens, 2 secondes. Je pense pas pour ma part que ce soit une. Non. Je pense pas que ce soit une vampire. Ouais, ça sent l'humaine, surtout si la vidéo a été balancée, quoi. Donc, le revenge porn, c'est mal. C'est ça. Ouais, mais on veut le site. On veut voir la vidéo avant. Est-ce qu'on va vous aider? Alors, est-ce que c'est bon, tu peux utiliser Auspex. Ok, ça alors, va. N'oubliez pas de bien réviser vos disciplines, savoir à quoi ça sert, parce que des fois, j'y pense pas forcément. Donc, l'utilisation d'Auspex, tu as combien? Quel niveau, là? Pour voir les auras, Je suis au niveau 1. Ça fait quoi le niveau 1 déjà? Sans sacre, c'est tout. Ah, donc tu n'as pas de. Ok, donc tu peux pas. Ça peut pas t'aider à avoir les auras. Tu n'as pas encore les auras. J'ai cru que. J'ai pas encore le niveau 2. Très bien. Alors tu ne le sais pas en tout cas comme ça. Ok, ça va. Alors tu vois que. Elle est en pleurs et elle fait. Il faut vraiment que je récupère cette vidéo, il l'a supprimée. Et physiquement, elle a l'air bien ou. Elle a l'air bien, elle n'a pas des coups. Tu vois pas de coups apparents en tout cas. Sur le coup, personnellement, je sais pas pour vous, mais moi, j'aurais bien eu toucher à 2 mots à celui-là. Ouais, je pense qu'à 3, on peut peut-être trouver le moyen de. On peut. Très bien. Alors. Du coup, vous allez vers l'appartement. Oh oui. Kaito, tu veux faire l'honneur? Police. Personne ne vous. Alors là. Oh, je t'embrouille à la porte. Alors là, tu t'embrouilles à la porte, ok. T'entends. Ouais, qu'est-ce que tu veux, salope? Cors-toi. Et là, tu vois qu'il est en train d'ouvrir la porte. Tu vois que c'est un mec un petit peu le cliché, un petit peu débardeur, un petit peu. Tu vois, le mec est un peu chauve, un peu barbu, et puis il dit qu'est-ce que vous voulez? C'est l'armée. Vous voulez faire quoi là? Vous avez un souci, les gars? Je rentre dedans. Direct. Ouais, direct. Moment, il ouvre. Plein. Tu entres dedans direct? Tu rentres ouais. Dedans? Ok. Alors, vas-y, jette-moi un jet de. Bagarre, force plus bagarre, quoi. Dextérité plus bagarre, excuse-moi. Dextérité plus bagarre, est-ce que je dois compter du coup ma célérité? Alors, si tu utilises la célérité dedans, mais. Je sais pas encore vraiment que je l'ai. Alors, tu peux l'utiliser. C'est, en fait, là, t'as comme des envies de. Enfin, tu sais que tu peux, donc. Enfin, tu sens que tu peux faire. Puissance. Ah, tu as peut-être puissance. Ouais. Je l'ai aussi. Ah, c'est plus voilà. Puissance du coup. Puissance peut s'appliquer de manière passive. Oui, c'est vrai. Ça marche. Donc, Dex, puissance et bagarre. Et c'est... Ok. Alors, ok. Donc, tu as... Deux... Ok, tu as deux... Trois... Attends, deux... C'était sur combien? Quatre. Tu as 4. C'est... Oui, désolé, j'ai pas dit. C'est sur 6. Ça marche. En plus, le mec a l'air un petit peu... Bon, bon. D'avoir un peu bu aussi, hein. Ok, donc c'est bon, tu as 4 réussites, ouais. Avec le... tu peux du coup utiliser tes points, donc tu lances force plus tes 3 réussites. T'en enlèves 1 donc de la réussite. Non. Et la puissance. Ouais, du coup. Oui, et la puissance. Alors, 1, 2, 3. Donc tu as, ok, tu as 3 réussites. Alors tu arrives, décris-moi ce que tu lui fais exactement. Bah en fait, je lui rentre dedans dès qu'il ouvre et je le projette sur les canapés qui sont ici. Ok, alors il va essayer d'absorber avec ses dégâts. Il a un 10, quoi. Il a un 10. Ok, très bien. Donc... 3, ils se font 2 dégâts. Ok, alors tu vois tu le pousses. Alors le mec s'explose en même temps le nez et vole sur le canapé. Il fait, putain, c'est quoi ça? Et tu vois que le canapé même se retourne avec le mec qui tombe au sol. Du coup, je suis dans le mouvement. Hein. Lily ou Sarah? Ouais.
Moi, j'aimerais bien, tant que Kaito s'occupe du mec, choper, vu que c'est sur PC, choper PC et essayer de le supprimer directement. Très bien. Alors, tu aperçois un PC posé sur la table au fond. Okay. En passant au niveau du coin ici, tu aperçois que la porte de la chambre est ouverte et que une caméra est posée en face du lit. Tu vois que le mec est, okay. a beaucoup de choses assez sales chez lui en plus. Alors, okay. tu arrives au niveau du PC. Ouais. Le PC a un mot de passe, un mot de passe, mais normal de session. Quoi. Ok. Est-ce que je peux facilement le. Alors, est-ce que tu as des points en informatique d'ailleurs ? J'ai un point. Très bien. Alors, je vais utiliser, je dirais astuce plus informatique. Des 10 c'est des ouais tout des 10 ouais. Très bien, tu peux relancer un dé, tu as un 10 qui te permet de relancer. Oh, ça. Ok, alors tu vois que elle met un peu de temps, elle réussit à l'ouvrir mais elle met un peu de temps, ce qui fait que ça passe à Kaito, à Sarah je veux dire. Alors, tu vois que l'homme est en train de se relever, est en train d'enlever un peu le sang qu'il a, est en train de se relever et est en train de choper une bouteille de bière. Il est en train de choper une bouteille de bière. Ouais, ouais. Allez Sarah, c'est l'action là. Ouais, mais sur le coup, est-ce que je peux pas choper un truc pour jouer quelque chose dans mon champ de vision ou... Alors tu vois des ustensiles de cuisine posés ici aussi. Tu vois un couteau, une cuillère. Qu'est-ce que tu prends? Je lui lance la cuillère, tiens. Allez. Très bien. On va éviter le couteau. Hein. Dans l'œil. Exactement. Très bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu es malcave après tout, tu peux te lâcher. Oui, bah, oui, justement, c'est bon ça que je fais ça. Non, tu prends vraiment... Je lance la cuillère. Tu oui, lances vraiment la cuillère. Je lance vraiment la cuillère. Ok, alors tu vois que tu lances la cuillère sans... avec très peu d'efficacité. Je te fais même pas le lancer sur ce coup. Le mec est surpris, il te regarde en mode pétasse. Genre, tu l'insultes, tu vois. Mais tu l'as distrait, ce qui permet à Kaito de refaire une action. Y aller. À la limite, je lui donnerais bien un coup dans les côtes. Très bien. Donc, même G. Exactement. Ok, tu peux... Oula. Je vais le relancer. Hein. Ouais. Il a échoué. Ouais, t'as échoué. Non, tu peux relancer. Ouais, mais il y a eu des 1. Ouais, mais t'as eu des succès aussi, 6. J'ai eu un 10 aussi, ouais. Non, c'est bon, il a échoué, j'ai rien dit. Ah ouais, j'ai échoué. Oui, il a échoué. Okay. Ah ouais, c'est bon. Putain, il a tellement de dés, Kaito. Ok, alors tu t'approches pour le taper, le mec t'esquive et te frappe avec un coup de bouteille. Ok, il y a deux réussites. Ok, tu vois qu'il arrive à te frapper à la bouteille. Tu peux me lancer un test de vigueur pour éviter pour absorber les dégâts. Ok, oups. Alors tu vois que tu te prends deux dégâts contendants. Je fais pas de l'état. La bouteille s'explose sur toi, mais tu n'as pas de sang ou quoi que ce soit. Enfin, tu es gratiné et tu te prends quand même deux dégâts. Et ouais, tu saignes un petit peu. Je vais essayer quand même. Si tu veux. Ok, donc vous voyez Kaito se faire taper à la bouteille. Lily, toi tu as accès à la vidéo. Ok. Bah, je supprime la vidéo et en même temps, s'il y a des fichiers un peu similaires, je les supprime aussi, je nettoie la corbeille. Alors, tu peux voir qu'il y avait pas mal de vidéos avec des filles différentes, etc. en plus. Ok, bah j'enlève tout. Très bien. Fais une sauvegarde pour moi. Ok, alors, l'homme se dirige de nouveau vers Kaito rapidement. Il a pas fait attention à toi, Lily. Okay. Il se dirige vers Kaito qui l'a bien marave aussi. Sarah, à toi.
Ah bah Sarah, du coup, t'as dit qu'il y avait un couteau, c'est ça? Oui, maintenant il y a couteau. Je lance le téléphone. Ah, okay, coucou. Ah ouais, vas-y, je lance le téléphone sur la gueule. Je peux ou pas? Le téléphone est mural, il est à l'autre bout de la pièce. Oh. Si tu veux tenter d'aller jusqu'à là. Bon bah écoute. Ouais bon, on va éviter. Sur le coup, en vrai, j'ai juste... Je continue à lui faire chier, j'ai balancé le couteau juste sous ses pieds. Et des okay. Poils. Alors, oublie pas que tu as... Tu as des disciplines. Mm. Tu as une discipline, il me semble, qui peut t'aider dans un combat, il me semble. J'ai aliénation et auspex et occultation. Très bien. Aliénation, tu as de quel... Le niveau 1. Ok, non. Ouais. Non, j'ai rien dit. Ok, très bien. Ouais, non, je bon, peux bah, pas. Du coup, ouais. Ok, donc tu fais quoi? Là, littéralement, j'essaye de le faire peur en balançant le couteau juste devant son pied. Quand il s'approche. Ok. Il se rapproche encore de Kaito. Alors, tu vois que le couteau tombe à ses pieds. Il le regarde et il dit « T'inquiète, tu vas prendre aussi après, toi. » Et là, il s'approche de Kaito. Kaito, par contre, tu peux agir. Ça marche. On va lui faire une petite prise pour le foutre à terre. Vas-y. Force plus bagarre aussi. Et tu feras un jet de force si tu arrives à le maintenir. Dextérité plus bagarre, excuse-moi. Ouais. C'est le même. Ok, 2, 3. Tu auras 3 réussites, donc tu peux ajouter 2 à. Non, 4 réussites. Tu peux ajouter 3 à tes dégâts. Ça fait. Tic, tic. Force plus 4. Ok, 1, okay, c'est une réussite. Ouais. C'est une réussite. Alors là, tu le plaques totalement au sol, et tu vois que en le plaquant au sol, il se fait... Enfin, tu lui fais hyper mal à la jambe, mais il s'explose la tête au sol, il lâche sa bouteille, et le mec est là, il fait « Ah, putain !» Tu vois qu'il a mal. Et tu peux essayer de le maintenir avec une facilité de 4. Donc il va te faire un jet de force pour essayer de bouger. Donc moi c'est toujours force du coup. Ouais, c'est juste force. C'est avec puissance aussi. Puissance. Oula. 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 Là. Toi tu as 2 réussites du coup. Ouais. Bah ouais bon ça je pense que ça sert à rien, ouais. On roule au sol. En gros, il arrive à te repousser un peu enfin, il te pousse doucement, mais sans te faire mal, tu vois. Ah, il arrive à se retraîner vers le mur, tu vois. Et il s'approche de Lily pour essayer. Ah, arrête ça. Okay. Est-ce que moi j'ai réussi à supprimer tout? C'est bon, t'as tout supprimé. Ok, alors je referme l'ordinateur portable et je vais lui taper sur. Oui. Oh, joli. Ok, bah tu me fais du mêlée, du coup, tu me fais du dextérité plus mêlée. Putain, c'est un premier combat, c'est un coup de PC portable. Plus mêlée. Coup de PC, c'est ça. Écoute, ça fait mal un PC dans la gueule. Ah, surtout les anciens, les années 90. C'est clair. Ah, ouais. Le mec est littéralement en sang. C'est juste que là, il a peur que. Il a peur de vous. Ok, ouais, mais tu peux me relancer encore un des 10. Un des 10, oui. Tu as deux succès là. Trois succès. C'était annulé avec l'échec critique. L'échec critique a annulé un de ses succès. Hein. Et normalement, ça annule le résultat critique. Ouais, c'est ça. Ah oui, vite, t'as raison. Oui, t'as raison. Il reste un 9 quand même, du coup. Ouais, mais il reste un 9. Ouais, non, c'est bon, du coup, t'as 8 et 9. Donc, t'as deux succès. Bien vu, Tobias. Du coup. Les dégâts. C'est bon, les dégâts. Tu lances. 2, allez, le plus gros PC, 2 plus les réussites, donc 2, 4, 4 des 10. Plus sur la tête. Ok. Alors. Il prend cher. Son jet de vigueur, c'est pas. Il a plus tu voulu le. Envoyer des totalement, alors, tu le. Tu exploses. Le c'est mal. Tu exploses le crâne et il tombe au sol à tes pieds. Du coup, là, c'est le cam plat, juste après, vraiment. C'est sympa la façon que vous avez de vous présenter aux voisins. J'avoue. Ouais. Alors, la femme qui pleurait s'approche, elle fait « Vous l'avez tué ?»
Bah justement, je vais regarder. On peut regarder, écoute, on ne sait jamais. Elle est infirmière, Lily, elle sait comment gérer. Ouais. Bah du coup, je vais juste vérifier le pouls et non, je... Là, tu vois qu'il... Il a pris un gros coup, quoi. Il est pas mort, mais il saigne beaucoup et... Peut-être qu'appeler l'hôpital lui fera pas de mal, quoi. Du coup, mais... je propose à elle de venir et de tenir, enfin de maintenir la plaie avec un, je sais pas, un tissu, un truc comme ça. Et... À la meuf là. Ouais. Du coup, alors tu vois qu'elle fait plutôt crever que d'aider cet individu. Vous avez vu ce mec? Oui. Oui, on l'a vu. Enfin, moi, ce que je me dis, c'est le problème. C'est qu'il a vu. Il a vu nos visages. Hein. Oui, mais on peut pas le tuer. Ah, sortez de la pièce. Ça commence. Est-ce que si on le mord, il n'y a pas moyen qu'il oublie ce qui vient de se passer? Il peut oublier des bribes, en effet, lors d'une morsure. Du coup, il y a des fortes chances qu'il oublie les dernières choses. Après, que, du coup, vu il ce a qu'il pas... a eu sur le crâne, il a aussi des fortes chances qu'il ne sache plus trop. Oui, bah du coup, est-ce qu'il n'y en a pas un des deux qui peut emmener la fille genre, dans une autre pièce, genre histoire de récupérer la caméra? Et moi, genre, j'essaye de... Genre de le mordre, en plus de ça, j'ai soif, donc... On se retrouve à trois à le mordre. Putain, même pas une nuit qu'il y a déjà un mort, quoi. Et il va pas faut bien qu'on commence le boulot. Sarah, 20% du sang. Si tu peux l'accompagner. Mais il en a déjà perdu. À la limite, j'ai un petit coup de fil. Mais du coup, je vais l'accompagner dans. Du coup, vous voulez que je l'amène où dans la chambre, c'est ça? Ouais. Ouais, tu fermes la porte et. Ouais. Comme ça, elle assiste pas, quoi. Venez avec moi, faudrait que je vous parle. C'est sur le coup. Voilà. Très bien. Ok, du coup, elle te suit. Elle fait oui. Mais elle est un petit peu. Tu vois, elle tremble un petit peu, elle sait pas trop ce qui se passe. Du coup, vous vous retrouvez tous les deux avec l'homme au sol. Et la porte ouverte. Okay. Non, la porte est. Ah oui, c'est là, oui. Bah on peut la fermer, je l'ai pas défoncé, donc ça passe. C'est bon. Ça, c'est un bon point. Du coup, ouais, faut fermer la porte. La porte oui. Heureusement, ce n'était pas une porte Ikea. Voilà. Très bien. Bah, moi, du coup, je l'appelais Tommy pendant qu'elle s'occupe de lui. Ok. Alors, tu rappelles. Donc, Lily, en attendant, toi, tu le mords, du coup. Oui. Alors, là, tu récupères que un point de sang parce que tu sens que son pouls arrive très rapidement. Ouais, oui. Bah c'est pas pour me nourrir, c'est juste pour qu'il oublie. Très bien. Alors, au moment où tu t'approches de lui, tu le mords et tu sens une sorte d'extase. Tu sens que ça fait du bien de mordre, de croquer dans quelque chose et tu sens que c'est une action normale, tout comme Tobias. Et là, tu as des sortes de bribes de souvenirs. Tu vois des scènes de nudité dans des lits avec des femmes différentes, des promesses avec des femmes différentes et aussi de l'argent, beaucoup d'argent monnayé avec tes vidéos. Et tu vois tout ça dans des lieux pas très loin de Chinatown. Donc voilà. Ah non, cul. Donc voilà, c'est bon. Ils vendaient des vidéos, etc. Okay. Donc Kaito, tu appelles Monsieur Bellucci, encore une fois. Tut. Alors Bellucci te répond. Oui, allô? Ouais, c'est encore Kaito. Allez, bah dis donc, t'as une mission pour moi là? Alors, on a eu quelques soucis de voisinage, on aurait besoin que tu passes, quoi. Ok, ouais. J'espère que t'as pas encore foutu le... On a un témoin gênant et il y a du nettoyage à faire, quoi. Ok, mais tu sais que deux de mes gars sont morts maintenant, donc maintenant je suis tout seul, il va falloir que... Enfin, je sais pas trop quoi faire. Après, je sais que j'ai pas envie d'avoir des soucis avec les Yakuza, les gars, mais c'est juste que je suis tout seul, hein, faut le savoir, donc... Après, je peux m'en occuper moi-même, hein, mais... Écoute, je peux... Très bien, je peux essayer de me débrouiller pour cacher cette affaire, mais évite d'en faire trop, hein, parce que j'ai peut-être un de mes collègues qui peut m'aider, mais faut que je le teste ouais, encore un ou deux jours avant. En tout cas, si ça peut t'aider, il filmait des filles, il les revendait sur Internet illégalement. Alors, si tu peux faire couvrir ça... Très bien, très bien. Et est-ce que vous avez des preuves de ces vidéos? Ça pourrait m'aider aussi. Je me tourne vers Lily. Vu le coup que t'as donné aussi avec le PC. Est-ce que t'as gardé les doubles? Il y a encore la caméra. On a une caméra. Il y a une carte mémoire, un truc comme ça. Il fait, ok, bon, laissez tomber. J'essaierai de trouver les trucs à l'intérieur, avec ce qui restera. Mais...
Enfin, foutez pas trop le bordel et enfin voilà. Et, bah, juste une question, c'est encore avec une mission de Yakuza, c'est ça? Oui et non. Pas vraiment, non. Oh, Kaito, mais tu peux pas me laisser tous les cadavres comme ça. Je suis dans la merde, moi, après. Beau, pire. Bah, je t'en devrais une, c'est tout. Et puis, tu sais qu'il y a une petite liasse qui t'attend à la fin. Putain. Je te jure. Ok, alors je fais ça, mais en échange, tu me trouves une mission très rapidement, d'accord? Et tu me trouves un autre mec qui pourrait m'aider. Ça marche, je te trouverai ça. Ok, et quand je te dis un autre mec, je veux pas le bouseux du coin, hein. Je veux un type qui est assez fort dans les finances ou qui sait cacher des choses ou même un autre flic ou autre. Ok? Ouais, ça marche. Je te trouverai ça. Très bien, Allez, j'attends ton futur appel. contact. Salut. Clic. Ok. D'ailleurs, petite question, est-ce que je peux compter ça comme une mission, Oui, tu peux. Roxane? Tu peux compter ça comme une mission, oui. Eh ben, mais Parce qu'il va te faire chier pour avoir ça. Et puis le coup de la cassette, est-ce que je compte, enfin la cassette, cette fille, c'était une mission? Pas Alors, du tout. peut-être, peut-être pas. Nous ne sommes comme il n'y a pas de marqueur, nous ne sommes pas dans un jeu vidéo, le monde est réel. Peut-être Est-ce que que ça ce... peut te mener à quelque chose, peut-être pas. Est-ce que... Bah, le problème, c'est que étant d'une nature soldat, est-ce que je peux compter ça ou pas? Ah, le coût de la mission, ok, oui, on va dire que... Non, non, tu t'es pas engagé de le faire auprès d'elle, etc. Donc non, ça sera Ça par contre marche. ta mission en nature soldat et la mission du prince, enfin qui t'a donné le prince. Donc retrouver le sabbat est une vraie mission vis-à-vis de ça. Et les missions de James aussi, donc la cassette aussi, si Lily t'en fait pas. Et trouver un contact, du coup. Et trouver un contact, parce que Tommy Bellucci est quand même quelqu'un qui t'a toujours aidé. Ça marche. Par contre, D'ailleurs, moi, vas-y, Lily. j'avais juste demandé vis-à-vis de la cassette, est-ce que je peux poser la question à Kaito ou je suis pas au courant qu'il a passé un coup de fil ou Alors, s'il a eu des infos? tu peux poser la question à Kaito, vu qu'il a dit une cassette, ça me dit quelque chose et tout. Ah, puis je lui ai dit que je connaissais quelqu'un. Ouais. Tu connaissais quelqu'un. Par contre, pour Lily et moi, avec notre nature de ange gardien, vu ce qu'on a fait. Ouais, mais vous n'avez pas agi en... Ah si, oui, vous avez Mais agi en si, tant qu'ange oui. gardien. Du coup, vous gagnez un point de volonté, en effet. Alors, du coup, Oui. juste, vous allez me dire ce que vous allez faire à peu près là, ou on va repasser sur Tobias, juste un instant. Ça va. Mais qu'est-ce que vous allez faire actuellement? Juste, pour savoir. Me soigner. Très bien. C'est vrai qu'il y en a Alors, tu besoin. peux te soigner en utilisant des points de sang. Et ça, tu le sens. Là, quelque chose en toi te dit que tu peux te concentrer un petit peu et te soigner. Et Tu as moi? des contre-dents en plus. Sinon, après, Lily peut t'aider aussi, Ouais, non? j'ai ma poche, moi. Ouais. Mais Ouais, la poche après, t'as des... te donne juste du sang. Mais après, il peut utiliser ses points qu'il a déjà pour se soigner. Après, Normalement, sinon, je suis c'est... infirmière aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, donc au lieu d'utiliser un point de Et sang, j'ai parce des que points en finalement... médecine. Ouais, mais Puis le... la bête réclame du sang quand même. Ah. Tu peux éviter une hémorragie, etc. Par contre, mais la bête réclamera du sang pour refermer ses fractures et ses ouvertures de plaie. Il reste la fille, hein, tu sais, si elle oublie la mémoire, elle perd la mémoire aussi. Non, On s'il vous a plus de plaît. témoins chez nous. Tobias, tu arrives devant, tu montes les escaliers pour aller à ton appartement. Tu arrives devant chez toi et tu penses à elle, à ta fille. Ta femme. Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir leur dire? Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire? Pour l'instant, Tobias n'en sait rien. Il est confus, perdu, et il est d'ailleurs il reste immobile devant la porte pendant au moins 5 minutes avant de d'oser l'ouvrir. Mais bon, au final, genre. Ok. Tu rentres. En rentrant, tu entends ta femme et ta fille pleurer. Tu entends ta fille pleurer. Tu entends ta femme prendre un peu sur elle et dire à ta fille, mais ça va bien aller, je t'assure. On va le retrouver. Ok? On va le retrouver, ok? Là, ta fille parle. Mais papa, il serait pas parti comme ça! Sans me dire au revoir. J'ai commencé
à m'avancer pour partir vers le son des sanglots, avec beaucoup d'hésitation et une énorme lenteur. Alors tu les aperçois au fond, du côté du lit de ta fille. Ta fille qui est allongée sur le lit avec ta mère qui est à côté. Ta mère, ta femme qui est à côté. Et elle est en train de la réconforter. Je vais commencer à m'approcher, je vais rester dans l'entrée de ma chambre et je vais simplement faire. Hey. Alors, ta fille te regarde, elle fait papa, papa, papa. Elle fonce vers toi et te fait un câlin. Je. Directement, je la serre dans mes bras, la baissant un petit peu. Tu vois que ta femme se retourne, les yeux brillants. Elle te dit Tobias ? Tobias ! Elle fonce vers toi. Elle te prend dans ses bras, elle t'embrasse. Je t'en prie, chérie, explique-moi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu sais que j'ai appelé la police ? Je savais pas où t'étais. Je n'en doute pas, j'ai eu une nuit et même quelques jours très éprouvants. T'es pas blessé, j'espère. Tu vois qu'elle te touche un peu partout. Ça va? Je vais bien. Je vais bien, ma puce. C'était compliqué et je voulais venir vous voir et je vais pas pouvoir vous l'expliquer malheureusement pour tout ce qui s'est passé. Mais... Je suis juste rentré dans une des grosses embrouilles vis-à-vis de vieux problèmes. Elle fait, c'est pas le proviseur encore. Il t'a pas donné d'histoire, fait d'histoire particulière. Non, c'est autre chose, c'est des problèmes qui me dépassent encore actuellement. Et ça va être très compliqué pour moi de poursuivre. C'est pour ça que je n'étais pas là, j'ai été pris par ces problèmes. Donc, et tu vois qu'elle te fait un câlin, elle fait, je t'en prie, promets-moi de plus jamais faire ça. Et tu vois que ta fille fait pareil, je fais, s'il te plaît papa, ne nous lâche plus, je veux qu'on revienne au restaurant comme avant. Je vous aime, mes amours, mais si j'avais le choix, et vraiment si j'avais le choix, j'hésiterais pas une seconde. Tu vois que ta femme te lâche, recule, fait. Qu'est-ce qui commence? Comment ça, si j'avais le choix? Tu veux dire que tu vas repartir? Je vais repartir. Je vais commencer à maintenant caresser la joue de ma fille. Ta fille, par contre, te lâche pas. Elle fait, non, je t'en prie, papa. Tu vois qu'elle te prend la main. Et ta femme, elle fait, non, tu peux pas débarquer comme ça sans me donner d'explication, Tobias. Tu peux pas. T'as pas le droit. La seule explication que je pourrais donner, c'est que je vous aime. Que je vous aimerai éternellement. Vraiment, éternellement. Que, quoi qu'il arrive, vous serez toujours les choses les plus importantes à mes yeux. Et tu vois qu'elle te dit, mais tu te rends pas compte avec tout ce que j'ai vu à l'hôpital, la pression, tous les gens qui sont dans le mal, j'ai besoin de toi, comment je vais survivre à ça? Mais explique-moi, donne-moi une raison. Il y a quelqu'un d'autre dans ta vie, c'est ça? Non. Je trahirai jamais comme ça, mais tu es la plus forte et la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée. Elle te dit... Et tu m'as sauvé la vie, et ce n'est pas rien. Et je te serai jamais redevable pour ça. Elle te dit, mais les mots suffiront pas, Tobias. Je te laisserai pas franchir cette porte. Dans ce cas, je t'invite à me haïr, à me détester, mais je préfère ça à vous-même. Et tu vois que ta fille regarde sa mère et elle fait, maman, je comprends pas, explique-moi, vous vous êtes engueulée. Et sa mère, ta femme, elle regarde votre fille puis elle dit, je comprends pas non plus, chérie. Viens. Puis alors, ta fille tient ton bras et vraiment très fort. Tu arrives à sentir. Je m'abaisse et j'embrasse le front de ma fille et je fais Alice. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là quelque part. Faire attention à toi. Je veux que tu te souviennes de ça. D'accord? Tu vois que ta fille pleure. Puis elle baisse la tête vers toi. Elle fait.
Papa, je t'en prie, donne-moi au moins une explication. Dis-moi pourquoi tu parles. Tu pourras plus m'amener à l'école, non plus. Je pars parce que je tiens à vous. Et c'est tout ce que je peux vous dire, mes amis. Tu vois que ta femme recule, puis tu la vois, elle baisse la tête et elle a les larmes aux yeux et tout. Je commence à me relever un peu plus après m'être abaissé pour ma fille. Je m'approchais un peu de Suzanne, ouais, et tenter de l'étreindre. Au moment où tu t'approches d'elle, elle te dit « Et c'est quoi ça ?» Et elle te lève un petit peu le col, puis elle a, tu vois, t'as un tout petit peu de sang au niveau du col de ta chemise. « Mais qu'est-ce que t'as fait ? Explique-moi. Tu t'es pas trouvé dans une affaire de drogue ou quelque chose comme ça ?» Non, si c'était que ça, mais... Je t'aime. Me dis pas que c'est encore une histoire de terrorisme ou quoi que ce soit, comme à l'aéroport. On a vécu tellement de choses, on a survécu à ça, et là tu me lâches comme ça. C'est... Peut-être pire, peut-être moins pire que cette affaire de terrorisme. Je sais juste que... Et même si j'ai envie de penser le contraire, je n'ai pas... Je n'ai plus ma place ici. Tu vois que... Ta femme, comme si elle perdait toute sa force, tombe sur ses genoux, elle fait... C'est pas possible, Tobias. Je serai toujours là quelque part. Peut-être un jour tu tourneras la page. Je l'espère. Jamais je pourrais. Je t'aime, Suzanne. Je t'aime, Alice. Et sans plus attendre, je me retourne et je commence à partir. Au moment où tu te retournes, tu as l'habitude de passer devant ce miroir-là. Et tu peux apercevoir derrière elle que c'est toi qui apparaît avec du sang sur les mains. C'est ta bête qui est en toi, qui te dit que tu pourrais te nourrir encore une fois. On contente donc sur le passage de frapper en fait violemment le miroir. Tu frappes violemment le miroir ? Ouais. Alors ta fille sur ce fait. Maman ! Puis ils sont câlins tous les deux. Qu'est-ce que t'as, Tobias ? Rien. Rien. Et je m'en vais. Tu vois que Suzanne court vers toi, elle fait « Je t'en prie, si t'as besoin de réfléchir ou quoi que ce soit, je peux comprendre, mais reviens au moins nous voir, au moins pour elle. » Je... Reste immobile, pensif. Et puis, je regarde Suzanne et je préfère pas donner de faux espoirs. Très bien. Donc tu t'en vas. Je m'en. Alors au moment où tu fermes la porte, eux deux tombent l'une face de l'autre et se font un câlin. Et on peut voir qu'en dehors de la ruelle, quelqu'un observe dehors, croise les bras et sourit. Il l'a enfin compris.